Bon! Hello! 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 It's me! On est chez Hélène aujourd'hui! Tu parles comme, un petit enseignant genre pour les élèves primaires. C'est vrai, pas capable d'être moi-même. Ok, fait aujourd'hui je fais une surprise à Hélène, elle est au courant de rien. Ça fait un bout que je prépare ça. Ça va être malade, ok? Je sais pas si elle va être fâchée. Si elle va trouver ça drôle. Ok. Mais de ça. C'est pas comment l'aborder. C'est drôle, est-ce que c'est drôle? Ben le monde ils savent déjà parce qu'ils voient le titre sur YouTube, mais elle, elle le sait pas encore. C'est bien beau savoir le titre, mais c'est peut-être que ta petite femme taillette plus vidéo commence à m'emmener. Tabarnak, qu'est-ce que tu colles, je suis curé. Qu'est-ce que tu penses des gens qui se font passer pour toi dans la vie? Ben mettons une fausse identité ou whatever, genre. Ok, qui disent, ah oh, je suis Hélène Ouais. Correct, là, c'est drôle. Ouais. Okay. Non mais ça dépend dans quel contexte. Okay. Hélène a mis un post il y a genre 2 semaines. J'ai les screenshots. J'ai été banni de Tinder. Demande-moi pas pourquoi, je ne sais pas. Donc si vous voyez un faux compte, thanks. C'est toi qui l'as fait? Oh my god! Ah! Là tout le monde est comme hey, t'es live sur Tinder. Oh mon dieu! Ok, tu comprends pas. J'ai été banni 10 fois de Tinder. Il a fallu que je contacte le service puis dire non, je suis vraiment Hélène. T'as été banni 10 fois? 10 fois. Mais attends, c'est pour ça que j'ai été banni. T'as été banni à cause de moi? Oui. Ah! Oh non! Non, attends, mais là si tu te réinscris pour vrai ça va marcher. Non, non, je te jure, Tinder il veut plus. Parce qu'il pense que c'est pas moi, genre, mais je suis la vraie Hélène. Je suis banni de Tinder à cause de toi. Mais c'est pas vrai. Hey, oh, boy! Toi, tu dois un Tinder, là. Parce que moi, je cherche l'amour, là. Désespérément, là. Puis là, t'es banni. Tu sortais de ça, comme. Non, pantoute. Hey, tu sais, j'étais comme encore un autre moron qui a fait un faux compte de moi. C'est moi. Pendant 1 semaine et demie, je me suis fait passer pour toi. Ok. Je vais te montrer le compte qui ressemblait à quoi. Ok. Fait que salut, je te donne le défi de m'envoyer ta pire pick-up line, lol. 10 minutes plus tard, ton compte a été banni de Tinder. Premier set. Ouais. J'ai mis ces photos-là. Ok. Genre, tu sais, quand même des très bonnes photos. Ouais. J'ai niaisé du monde, là. Mais, si j'ai niaisé du monde. Pis ils pensent que c'est toi qui les as niaisé. Oh non. Mais là, attends. Oh, mes petits fans. Du monde qui s'en. Ils ont été vraiment goal, là. Ton visage me dit quelque chose. Mon oncle me disait ça souvent aussi. Il reste à savoir si c'est vraiment toi ou un faux compte. Tu fais moi passer le test. Il répond. Je dois avouer que j'ai pas de gummy bear chez nous. Je t'agace, ça a été facile. Je dis ta blague est aussi bonne que la fin de carrière Julien Lacroix. Oh mon dieu. Ça commence mollo. Okay. Ça commence mollo. Ça commence. Wow, ok. Je suis sur le choc. Je m'excuse. Moi, je suis comme, oh mon dieu. T'en vas de tes jokes. C'est même tout le long. C'est même tout le long. Damn girl, are you a shot glass? Cause I'm banging you on the counter after having a taste of you. C'est un peu dégueulasse comme pick-up line là. Le gars, my god, on voit pas son visage de rien, il s'appelle Alex. Puis pour le gars, j'écris un bon William. Alex, pardon. Il me trompe le nom. Le monde est pas que c'est le pick-up. C'est ça. Y'a un gars qui répond. Moi je vais te traiter comme une princesse et je vais te venir dans le palais. Mais je crois qu'en 2022, on n'a plus le droit de l'utiliser. J'y vrai comme ça, tu vas pouvoir partir et me le redire l'année prochaine. Il me fait du fun. Non, 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 non. Ils doivent dire Chris est donc ben bête, la fille de l'UQAM. Ok, on continue, on continue, on continue. Je sais pas si tu peux bien. Rearrange the alphabet and put you and I together. Les deux lettres. Ensemble. Together. Ah, oh, tabarnak. J'ai répondu, je suis aveugle, sorry, I am aveugle. C'était pas tant drôle, en fait, c'était pas ma meilleure. Juste te montrer à quel point j'ai la quête du monde. Je sais pas si c'est vidéo. C'est ça, t'avais tout le temps des matchs. T'avais tout le temps. Ok, des tu likais tout le temps. Je likais. Ben, yes. Ça roulait, là, ça roulait. Genre, je tiens juste à dire que pendant un bout, j'avais oublié que j'avais ton Tinder. À chaque fois que je m'équipais, j'avais genre 20 minutes. Pour liker un temps, je me faisais banner. Ok. Puis en 5 minutes, je m'en rappelle, j'avais plus de 100 j'aime. En même pas 5 minutes. Puis pendant un bout, j'avais oublié que je me faisais passer pour toi. Fait que là, j'étais comme Chris, je suis pas une don, hein. J'étais mal chez moi, je suis comme Chris.
fun d'eau, ben! Là, je vais avoir le profil, je vais... Ah, si, c'est vrai. C'est pas moi, c'est pas toi. Mais. Bon, j'imagine que ta fête, c'est le 10 octobre, because c'était un 10 sur 10. C'était un 10 sur 10. J'ai écrit tabarnak, pas ta meilleure, hein? Je comprends pourquoi ton ex est parti. Le 10 sur 10, un bon pick-up line. Attends, il y a déjà eu quelqu'un qui m'a dit... Je m'en rappelle plus. Il devait pas être si bon que ça. Ouais, c'était pas si bon que ça son pick-up line dans la, finalement. Le gars, il me dit, est-ce que tu t'en vas à la Formule 1 ce week-end? Fait que je réponds, t'aimes ça quand c'est rapide toi? Il dit rapide et lent, tout dépend ce que je recherche. J'ai écrit, je recherche mon rêve. Je suis là jusqu'à lundi, puis de retour à New York. Fait que bye. Ok, bye. Il faut le désespérer, genre comme j'avais la chance de pogner Hélène. Je vais devoir te demander d'être un peu moins chaude. Le réchauffement climatique est déjà assez bad demain. Non, ça sent pas. Non, ça, non, bon. Ça c'est... T'as un pick-up line de merde. Dire à une fille t'es chaude, ça c'est en 2022, c'est non. Hey Hélène, t'es chaude? Je l'ai dit, ah, quand j'ai répondu avec une phrase de même, c'est sûr que tu tues la terre au complet. Exactement, exactement. Bon matin, Hélène! Et je réponds, salut mon homme, aurais-tu vu ma divacop? Oh mon dieu, tu sais-tu? Sais-tu l'histoire avec ma divacop? T'as pas de divacop! T'as une divacop! Est-ce que je t'ai raconté l'histoire avec la divacop? C'est arrivé comme semaine passée. Je rencontre un homme. Ben là, il se passe qu'il y avait beaucoup de tensions sexuelles. Fait que là, on s'embrasse. Bla bla bla. Là on vient pour... Fourré? Ça vient pour boiter pis il dit hey, sorry, t'as quelque chose dans nous. T'as une tire à quoi? Non, ben exact. Là je suis quand... Quoi? Là genre je me touche, j'ai une divaca. J'avais oublié ma divaca. J'étais dans ma semaine. Fait que, est-ce que vous l'avez fait quand même? Non. Mais t'imagines, genre, t'es comme t'es un gars, pis lui, il connaissait pas ça, les divacas. Moi, je connais ça. Ah oh, ouais? Mais y a, la plupart des gars ne savent pas c'est quoi. Fait que, tu sais, tu montres un. C'est ouais. Ça va dans le vagin. Ouais, exact. Ils ont-tu été en dedans de toi, ceux-là? Ouais, ouais. Au vrai? Ils ont un petit goût de. Au vrai? Ça goûte un peu, je goûte ça de la mer un peu. Ça ressemble à pas rapport à ce que je l'ai dit, mais hier je me suis crossé. Je suis venu à un Kleenex, j'ai mis ça dans la toilette. Je me suis senti mal pendant une heure, parce que j'étais comme triste, je venais de nailler des enfants. Ben là. En tout cas, on continue la vidéo. Salut, t'es charmante, ça te dirait une glace à la menthe. J'ai écrit pourquoi à menthe, tu pues déjà de la gueule. Il essayait de faire des rimes, mais... Pourri. Ben j'aime même pas oublier. Ah non. Checkez ça, guys, comment quel gars a écrit un roman là. Il voulait Hélène. Et ça l'arrive souvent. Hein? Gagne de cœur! Bon matin, Hélène! Comment tu vas? Tu sais comment c'est gentil! Le gars, il t'a même pas envoyé de faire copain comme ouais, moi, je veux. Ouais. Je veux te connaître! Oh. Check. Bon matin, Hélène! Comment tu vas? Je sais pas si ceci serait ma pire pick-up line, mais je suis clairement chanceux de match avec une aussi belle femme que toi ce matin. Oh, wow! Là, il pensait qu'on avait un match! Tu rends la compétition difficile pour les autres femmes et j'aimerais vraiment, vraiment faire ta connaissance. Peut-être un café ou un dîner. Il y a deux vraiment, vraiment, vraiment faire ta connaissance. Non, c'est moi qui l'ai dit deux fois. Ah, oh, ok. J'ai écrit « Wow, j'adore ton texte, bro! » J'imagine que c'est un win pour moi alors. J'ai gagné. Il rajoute, je me dis que tu entends sûrement des compliments tout le temps, mais le mien est super honnête. I am not trying to waste your time in any kind of way. Parle-moi un peu de oh, toi. Oh, il a dit, je veux pas perdre ton temps, pis tout, c'est toi qui. Please, parle-moi un peu de toi. Tu fais quoi dans la vie? J'ai juste répondu, work hard. Pis il dit quoi? Y'a un gars qui écrit, j'ai jamais voulu être autant un gummy bear de ma vie. En d'autres mots, j'ai jamais eu autant envie de faire de la merde. Ouais. Ok, ouais, non. Ça. Hey, c'est charmant, hein. Répondu à ça, je peux-tu faire un tour de magie? Il dit, ouais, j'ai un, deux, trois, disparaît. Si tu te ferais passer pour moi sur OnlyFans, j'aurais plus d'OnlyFans. Ouais, non, mais. Fait qu'après ça, je me suis fait bannir. Pour moi, lui, il l'a vraiment pas bien pris, mais... Je vais te montrer une affaire. Quand je me suis réinscrit, on voit que en 2 minutes, j'ai eu 4... En 2 minutes? En 2 minutes! Wow, ok. Le gars qui écrit, est-ce que tu aimes les nouilles? Parce que je te ramène à soir. Et est-ce qu'il vient de me traiter de nouilles ou... Non, ben c'est une pick-up là. Oh, ramène, ok, ok. Puis t'as pas du tout ramené ben du monde avec ça.
T'as pas dans la bonne zone. Hey, il te manque un endroit sans tatou. Je comprenais pas, genre, je fais où? Sur la poitrine, je crois. Sur ta poitrine, c'est quoi? Mais plus encore, genre, explique. C'est un sur tes seins, on a l'impression. Mais bon, je sais pas trop, je vais faire comme tes parents par la suite. Je vais juste partir. C'est moi qui ai écrit ça. Je l'ai écrit, tu m'emmènes avec toi. Bon, y'a un gars qui écrit, t'as-tu Spotify ou Apple Music? Je fais Spotify, avec un bonhomme clin d'œil. T'as vu le bug d'hier? Je suis comme non. Ils ont oublié de te mettre dans Hot Test Single Available. Dans la playlist Hot, c'est le bâton. Oh my god, ok. Là, j'ai répondu. Mais c'est bon. C'est bon. Mais ce que j'ai répondu, j'étais fier de ma shot. J'ai écrit, pis toi, ils ont oublié de te mettre dans la Friend Zone Single Available. C'est bon, ça. C'est bon. Ça, j'ai. Merci! T'en as un. Un vraiment bon, genre que t'es fier. Hola, est-ce que tu aimes les tacos? J'ai répondu, ça donne envie de chier, ça. Faut pas oublier que le gars, il pense pareil. Pas charmant. What do you do for living? I'm a poor baby. C'est ça, man. J'ai répondu, moi, je regarde Eric Salvaille. De ma vie, c'est ça que je fais de ma vie. C'est ça qu'a fait de sa vie, regarde Eric Salvaille. T'aimes-tu les devinettes? Ouais. Okay. Qu'est-ce qu'il y a quatre pattes et qu'il n'a jamais eu de belle fille dessus? J'ai répondu, ton lit. J'ai répondu, trop fort, veux-tu m'aider à remédier? J'ai juste répondu sec, non. Oh, wow. Ah ben, Chris, voyons, j'aurais jamais passé le match avec Hélène. J'ai répondu, la vie est belle, chum. C'est tout. C'est tout. Y'a pas de punch à ça. J'ai pas vraiment de pick-up line en poche. Je me demande juste si je viens de match avec la vraie Hélène. Si c'était le faux, tu te sentirais comment, mon homme? J'ai répondu, je trouverais ça dommage, mais je passerais quand même une excellente journée. J'ai répondu, ben bonne journée alors. Pour vrai, ce jeu-là, il y avait tellement de monde qui m'envoyait le Tinder. J'étais comme, mais voyons. Mais toi, t'étais comme, c'est qui le petit cave qui perd son temps? C'est moi. Je suis désolé. Tu m'as fait perdre mon Tinder. Sérieux, c'est malheureux là. C'est parce que je suis banne de Tinder et il me reste juste Fruit. Rejoignez-moi sur Fruit. Sais-tu c'est quoi la différence entre toi et la pluie? J'ai écrit, la pluie a plus de chances de me rendre humide et de me faire mouiller que toi. Wow, c'est bon. C'est bon, ça, c'est bon, on aime ça. Salut, dis-moi quelque chose d'intéressant de toi. J'ai écrit, quand je me lève, je me rends toujours les jambes. Souvrine? Non. Là, il y a du monde qui commence à savoir. Ok. Là, le monde commence à savoir que j'étais pas vraiment Hélène Boudreau. Il y a un gars qui écrit hacker. Je réponds, yep. Deux secondes après, ton compte Tinder a été banni. Plusieurs tentatives que je réessaie après ça de me faire un compte Tinder, ça marche. Pas encore. J'abandonne. Deux jours plus tard, Hélène, elle met ce post-là sur Facebook. Deux jours plus tard. Ok. J'ai été banni de Tinder. Toi, tu pointes. Demandez-moi pas pourquoi, je le sais pas. Donc, si vous voyez un faux compte, thanks, avec des bonhommes. Mais moi, je suis comme, oh, tabarnak, est-ce qu'elle va être mal quand je vais faire la vidéo avec? T'avais-tu répondu sur le statut? Oui, j'avais répondu, puis j'ai écrit, ça a pas d'allure du monde de même. Puis je me trouvais très drôle. Pendant qu'on fait la vidéo, j'ai arrêté de filmer deux secondes, j'ai dit, va donc voir si t'es capable de te réinscrire, ça fait un bout, là. Tu as été banni officiellement. Fait que grâce à moi, elle pourra jamais retourner. Ça fait plaisir. Grâce à ma vidéo, elle ne pourra plus avoir de Tinder. J'espère que t'en es pas fière. Abonnez-vous, est-ce-tu? Fait que t'as pas l'air, abonnez-vous. Puis t'as-tu aimé ça pour cette vidéo-là, pareil? Oui. Elle a une chaîne YouTube. Voyez l'image. Elle a une chaîne YouTube. Voyez la pointe. Encouragez-moi, je suis un bébé YouTuber. Un bébé YouTuber. Fait que c'est ça. Dites dans les commentaires si vous voulez que je revole son identité pour répondre.